deux ressortissants américains, deux missionnaires américains, et bien que la Maison Blanche qui mandé rapide presto pour que mission multinationale là déployée en Haïti. Bon, là, c'est tout bon. États-Unis, Biden, Kamala Harris, yo fini par wè que bandi vivant sans yo, nèg yo pa nan rans, et moi certain que son message que nèg yo voye, by États-Unis et voye by William Ruto. Parce que comme nèg yo te dit que Haïtien presque pa représentant pou yo encore, parce que yo pa pè Haïtien, Haïtien, comme si ça pa gen valeur pou yo encore, koun ya yo pral te commencer à attaquer étranger. Et bien, yo décidé. Eh bien, après le mort de ressortissants américains, ça y est, en plus, mon ami dit que là, c'est un message clair que bandits vivent ensemble, vous voyez, by États-Unis. Et c'est ça qu'il faut voir que l'administration Biden-Harris, il a demandé William Ruto, il a demandé et Andy, pays Kenya, dégager le commerce de Jacques pour que il déploye dans les cap vini là yo. Eh bien, Andy, premier groupe officier kenyan, vous pas oublié, inspecteur général qui prend le responsable mission Kenya, non, monsieur Guetta en Haïti, et le Guetta réalisé un ensemble de séances de travail avec Andy, conseil présidentiel là, et chaîne commande de la police là. Bandio pas suspend attaquer sous commissariat, commissariat et pas suspend maltraiter marchand qui vive, qui vend pardon en bas la ville yo. Et est-ce que nous avons dit dans les cas venir là yo, dans jour cas venir là yo, comment situation pralier? Et avion militaire américain pas suspend atterri sous tarmac aéroport international tout seul vertulan. Et toujours dans qui l'idée, dans qui objectif que avion ça atterri? C'est dans l'idée pour porter matériel pour que mission pour arriver en Haïti. En pile haïtien continue à faire des bails sur question gain qui dans mission et gain qui pas dans question mission. Mais en pile dit ça n'a pas gardé là, ça n'a pas vivre là. Li besoin un bourrade bon côté la police là et soldats l'armée d'Haïti que nous gagnons pour aider au maté insécurité. Est-ce que conseil présidentiel transition, est-ce que priorité c'est la question assainissement que lié ou dit est-ce que priorité c'est sécurité? Moi pas dit que pour pas créer question assainissement non, parce que porte présidentiel li l'aide. Mais est-ce que je dis, hein, nous plus besoin d'assainissement que sécurité? Hein? Est-ce que nous plus besoin d'assainissement que sécurité en un moment? Moi-même, on m'a dit, je me sauve, nous plus besoin de sécurité en un moment, et après ça, après assainissement. Ah oui, parce que moi, apprendre, sans mettre à gain, sans relais, de employer mairie Port-au-Prince, qui t'a travaillé sous un ensemble d'appareils loups, qui t'a essayé de recevoir un balle dans la tête, et kounyak, alors, qui t'a essayé de recevoir un balle, vous me dit bien, et pour qu'on ait prendre soin, qu'il nécessite l'hôpital. Moi-même, toujours dit, ou qu'il n'y a pas d'accord avec moi, pas de problème avec question assainissement. Mais, m'da bien aimé plutôt, c'est là que la police nationale d'Haïti, c'est là que l'armée, c'est là que mission, fin rétablir sécurité, la paix en un pays en bas la ville, laisse ça que, ben, yo ta démarré avec question assainissement. Parce que qui garantit yon moun qui pral travail avec balai, pelle, et la psougo balai l'ode yo, pendant ce temps, bal ap chante en la police avec bandi yo. Ça veut dire, ben, raison là, pour que pouvoir, ben, conseil la guette en lancé assainissement. Ben, c'est au café dans quatre travail, mais, on essaie de résoudre, on peut réponse avec question sécurité d'abord, et après ça, on a lancé question assainissement. Ça, c'est opinion PAM, et moi, c'est responsabilité à faire, parce que, faire un monde à risquer ville Chanmas là, risquer ville bon l'hôpital général là, pendant que la police a tiré avec Bandio, je ne sais pas si idée. Désolé, comment est-ce mon frère? La situation, l'autre fois, content, rejoignant dans le cadre de vérité, après nous parler avec les amis internautes qui ont tout partout, qui ont cherché tout simplement l'océan d'information, qui permet que vous étiez informé sur ce qui a passé en dedans pays, sur ça qui domine l'actualité en dedans pays d'Haïti, rencontre par suspendre multiplié avec divers acteurs et secteurs dans sa et avec question déploiement, mission multinationale là, en dedans pays, ACK, conseil présidentiel transition, et qui t'es rencontré et où t'es organisé rencontre là, jeudi qui t'es 23 mai 2024 là, à Kamab conseil présidentiel transition, et une délégation pays Kenya qui déjà en Haïti depuis 20 mai 2023, réunion ça a été visé, préparer déploiement, mission, si pour sécurité multinationale, en dedans pays d'Haïti, qui a préparé depuis un bon bout de temps que, et faut que nous disions que Nations Unies autorisées, mais n'a toujours rappelé, c'est une mission
non, l'onisienne comme bémol qui ont metté. Conseil présidentiel transition hein, et rencontré avec délégation Kenya et puis yo entendu yo discuté sous qui gens yo pral rivé exécuter mission c'est là qui ont gain en dedans pays à cap préparation qui gens au cap entendre avec la police qui permettre que vous faites opération yo rivé réussi face avec gang criminel terroriste captaï banda en dedans pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. L'institution ancien président républicain américain Donald Trump et déploré Zach assassinat et gang fait sous David et Nathalie plus yon haïtien dans zone Lison la plaine dans et zone nord capitale pays d'Haïti et ben et ancien président écrit c'est pour grand maître là béni David et Nathalie c'est parti et tragédie selon lui pas gen moun qui gen contrôle Haïti yo doit joindre moun qui touye et puis et kounye a même et moun qui touye et ressortissant américain c'est là yo pas oublier que gen une course électorale dans moment là où Donald Trump il rentre bouche non va comme ça il pratiquement capoter de l'autre comment t'as dit ça de l'autre appui ou bien de l'autre compréhension c'est avec ça qui a passé en dans pays d'Haïti depuis il y a un bon bout de temps c'est sous compte X li publié information sur la route et responsable SDP et qui c'est André Michel bat bravo la contentement pour gros déclaration président Kenya William Ruto fait dans Washington pays les États-Unis côté il dit force multinationale là a vienne dans pays d'Haïti pour craser et éliminer toute gang cap simaye insécurité kidnapping assassinat vol ak viol déclaration ça pote en pile l'espoir dans camp ou bien dans peuple haïtien selon André Michel ça écrit sous compte X li Blaise Peterson mission support sécurité et multinationale institution la police là sensibiliser et yo pratiquement rencontré avec diverses unités spécialisées en dedans la police inspection générale police nationale d'Haïti lancé dans date qui était 23 mai 2024 là yon série rencontre stratégique avec chef unité spécialisée yo et assistant yo ensemble avec chef opération yo et sous comportement yo doit adopter pendant mouvement opération police qui pral fait dans le cadre arrivée mission support sécurité multinationale là chef unité yo qui était présent dans rencontre si là tant que IDMO SIMO BRI BLTS et BRAVV ITAG SWAT BOY yo te exprimé volonté yo pour yo continuer engagé yo dans bataille contre crime organisé sous toute forme en dedans pays a pendant yo Antonio y a prêté attaché à cap principe code éthique et déontologique institution police nationale d'Haïti a pour faire respecter loi républicain d'après note que responsable de la police a fait sortir et yon l'autre bon PNH a fait connaître bien l'autre rencontre travail qu'a organisé dans jour qui a venu avec agents qui sorti dans différentes unités spécialisées police nationale d'Haïti et n'a pas rappelé d'après communiqué PNH là campagne sensibilisation ça joint support recommandement PNH là international là et c'est ça qui fait quoi à renforcement la loi bureau intégré Nations Unies Haïti et vous voulez parler de Bini, bureau et haut commissaire Nations Unies pour droit moun et à Kafon Nations Unies pour Timoun. Il voulait parler de UNICEF, Blaise Peterson, il continue même, il y a prend position. Les États-Unis pratiquement gain position par eux dans question choix premier ministre en pile monde a prétendre qui pour venir monter gouvernement Blaise Peterson sous compte X ambassade de pays les États-Unis en Haïti choix premier ministre pratiquement pour les États-Unis c'est un processus et sans passe pour qui basé sous mérite ak, et technique ambassade pays les États-Unis dans Port-au-Prince dit lui saluer des marches à cap déroulé dans conseil présidentiel transition dans l'idée pour nommer un nouveau premier ministre qui pral diriger nouveau gouvernement et il fait quoi il est content pile apprendre que conseil présidentiel transition commencer processus pour choisir un premier ministre et nous capable nous pas capable d'attendre pour Haïti gagner un premier ministre avec un gouvernement transition c'est ça ambassade les États-Unis entendent que ils ont publié dans sa question avec question et gouvernement table monté dans le pays d'Haïti Blaise Peterson. Banque interaméricaine à développement BID approuvé un don et 20 millions de dollars américains pour appui à renforcement système éducatif haïtien et chaque fois que l'argent tombe dans le système ça eh bien ou jeune plus timoun et dans la rue qui pas à l'école qui apprend dans gang dans tout dernier moment approbation l'argent ça t'est fait mercredi qui était 22 mai 2024 là financement ça pour permettre ministère à renforcer et puis moderniser système formation et gestion éducation dans pays d'Haïti la situation pendant
et autorité qui n'a pouvoir central dans la police continue quoi c'est bah regardez route qui sorti Karadé mené général bataille bloqué depuis plus passé 5 jours à cause un mouvement revendication employé SNGRCO et cap mandé l'état payer plusieurs mois aéré de salaire à Katikata de Bio yon situation qui paralysé trafic ak ligne circulation si là depuis un bon bout de temps la situation ensemble ça avec divers lots à bon côté pas moins t'as dû faire essentiel carrefour vérité à pour matin blessé personne par contre bon côté pas c'est d'autres points qui ont ajouté après pour nous rentrer d'emblée dans développement ensemble point que nous déjà signalé avec amis internautes qui bossent tout partout à travers le monde qui regardent mais ça nouvelle blessé info point nouvelle votre calbas info racine nouvelle Haïti pendant la pandémie de commencement jusqu'à la fin retenez dans l'émission ça et pas suspendre partager sous fait tomber sur plateforme ça yo pas négliger abonner à yo et inviter famille ou amis pour venir joindre ensemble famille ça pour élargir communauté haïtienne c'est là qui a bail information tout partout à travers le monde de la situation. Et oui, deuxième quelque chose qu'on va ajouter, premièrement, on va permettre amis autant de on personne on acteur et acteur ça lui-même et qui toujours bail de position dans question et sécurité paysan, bien que il a toujours dit que il pas innocent tout, il a toujours dit monsieur pas innocent dans question sécurité paysan et sous sanction, mais moi même m'ba là pour me venir et faire exclusion. Mais c'est avec société hein, et c'est avec zami internet yo qui pou tande moun sa yo et qui pou fè jugement pa yo et pou di moun sa yo nan ki niveau que yo impliqué nan question sécurité de pays. Mais n'a dit et des Ivenes gagné ancien ambassadeur Haïti et États-Unis en Haïti n'a parlé de Daniel Foot. Gondo sa Daniel Foot. Mm-hmm. Monsieur qui t'a parlé avec CNN, yon gros média américain et n'a songé récemment si elle envoie un journaliste reporter, elle fait reportage avec, t'es bien, mes amis, avec Vitel homme innocent qui a dirigé Pascal Barrière et, pour me dire bien, qui c'est, you mom, a de vivre ensemble. Nous pas dit que ça crivé missionnaire américain ou est-ce que c'est vivre ensemble qui fait, mais yo t'a acquisé, yo t'a ouais, équipe chez méchant ou bien équipe Jeff Canaran de sa crivé. Mais c'est même vivre ensemble. Non, mais c'était bien. Puisque pour aucune information qui confirmait, mais en pile information qui a circulé dans le couloir, fait qu'on est que c'est un monsieur et chez méchant qui a fait action. Mais dit chez méchant, dit Jeff Canaran, c'est vivre ensemble, ça c'est clair. Mais encore, elle me dit vivre ensemble, c'est dit tout, c'est éviter l'homme, c'est barbecue, c'est ISO, c'est la mensonge ou c'est tout le même. Parce que son réseau que lié. Mais ça me dit désir. Et m'avance avec la question de Daniel Foot, non? Monsieur dit que William Ruto pas qu'on est côté l'entrée là. A dit là on qui côté fouille tête li. Et mm-hmm. Monsieur avance clairement. Selon Daniel Foot, monsieur dit que question 1000 policiers Kenyan cap descendant en haïtien nèg vivent ensemble yo a effacer yo non ti seconde, non ti moment. Parce que il dit ça que Haïti là nan moment. Monsieur dit pendant 30 dernières années qui passaient là, yo pas jamais une intervention militaire qui fait pour pas gagner plus passer 20 000 soldats. Alors ce que attendez, c'est 2006 avant hier d'attendez l'estival des jours pour pomper à 5 mois, c'est à 2500 et soldats officiers. Bon, en un mot, nous pas pour regarder sous effectif là non parce que ou ka pense c'est pile n'a pas résultat. Nous ka gen 10 moun et puis 10 moun bien équipé, yo très professionnel pour ba résultat. Pa étonnant 2500 ka ba résultat. Il suffit que yo gen bon matériel nan men yo, yo bien équipé, yo gen moyen et puis a pas oublier que la police a avec yo et l'armée a pas avec yo. C'est vrai c'est pas même réalité à 2004, mais kounya nous go police qui plus ou moins comme si qui ici au diable matériel a matériel nan men et si l'armée a tout yabal matériel y a matériel nan men yo et si mission vini pour aider la police nan et ak l'armée y a ka aider comme si qui donc 2500 li pas vraiment ta capable petit et en pile tout il suffit que ke volonté pour ta réduire mais pour ta éradiquer pour ta éliminer question insécurité en Haïti hein. Et moi crois que résoudre problème insécurité en Haïti, li facile. Et m'ba technicien dans domaine ça, m'a aucune connaissance dans domaine ça, mais moi tande en pile moun ki connaît, soit de anciens militaires, soit de anciens de regarder dans la police, soit de anciens parlementaires qui montre que
depuis que volonté et depuis au fait si au fait ça au fait c'est problème insécurité hein la résoudre selon ça dit. Et ça fait que j'aime dire en désir nous va venir avec et personnage ça que nous pas attendre un petit cal la donne et pour nous capable aider nous comprendre et ça ouais ça comprendre. Pas oublier que Philippe toujours dit insécurité gain là capable résoudre. Pas oublier que malgré que bien que sanctionné la média, yo reproché de que ce présumé implication dans la question sécurité dans notre pays qui c'est un sénateur Yuri la tortue, li toujours dit clairement que insécurité hein que li capable résoudre. Qui donc c'est pas moi qui dit, c'est un ensemble de monde qui il me réduit dit, c'est eux qui montrent par A plus B comment que question insécurité hein li capable résoudre dans pays d'Haïti. Et en pile mon attend que je dis que insécurité à le résoudre. Moi-même m'a dit que pas seulement garder parce que missionnaire américain mouri qui fait comme si que la maison blanche mandé faut mission débarquer faut que si faut que ça mais kounya si la maison blanche t'a fait jet coquin et mesdames si la maison blanche t'a roulé et peuple haïtien mais l'état haïtien dans farine mais après l'an mois missionnaire américain ça yo il a fini par ouais que ça haïtien qui Haïti a vivre dans moment il pas petit. Ça haïtien qui Haïti dans moment à vivre là son bagage qui gonnek en pile li gonnek en pile et je, bien que États-Unis pas innocent bien que parce que d'après des experts de gros organismes États-Unis yo te fini par étudier et identifier que en pile nan gros zam kap sorti qui entre Haïti yo yo sorti nan yon comment on dit là nan port nan sud état Floride et ben moi qui dit et te dit et te même dit que yo identifié deux groupes et de moun ki nan question financement zam à cartouche en Haïti et m toujours dit que gen ensemble des secteurs gen ensemble des acteurs qui impliqué dans l'insécurité qui est là en Haïti. Parce que pas garder seulement l'insécurité avec bandi à sa patte, yo jeune garçon dans le ghetto, mais faut garder l'insécurité à tout avec moun ka finance yo, moun connaît les bandi à vessio. Et bandi à vessio, yo dans tout secteur, yo dans tout groupe, yo dans tout champ cap alimenter l'insécurité ça dans pays. Et nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien. Jean-Robert Dorsena dans CNDD là connaît moun sa ou très bien parce que toujours dit gen 11 à 12 familles qui n'ont commis zam en nan pays mais pays a pas jamais moun ki yesui pays connaît iso li connaît barbecue li connaît silapli li connaît mano li connaît bougoy li connaît crisla li connaît boutba li connaît et la monsanjou li connaît vite l'homme mais li pas jamais connaît qui yes 11 à 12 familles sa yo qui n'ont commis zam en nan pays et ne besoin ki yesui. Et qui est jodi en tout qui servit comme intermédiaire comme moun qui lié iso avec un ensemble de gros et trafiquant drogue trafiquant zam dans Caraïbes blanc et dans l'Amérique latine parce que faut konn bagay sa yo faut konn yo faut konn moun yo faut konn réseau yo ah oui faut konn moun yo faut konn réseau yo OK faut konn moun yo faut konn réseau yo. Parce que je dis, hein, bagala, hey, c'est difficile. Et m'ba comme si que, ouais, réaction de la Maison Blanche et ancien président Donald Trump dans la question de la mort ou Amérique ou non. Mais moi, ouais, que je dis, hein, que les ne prennent coup, j'ai couru de l'eau. Parce que je dis, hein, puisque c'est des missionnaires américains, oui, mais ouais, ça fait de gros débats, ça fait de gros tollés en démocrate et républicain États-Unis. Et ça, c'est un bagage qui est capable quand même, qui a servi pour l'avantage Donald Trump et dans désavantage Joe Biden. Parce que c'est petite, c'est famille et député républicain Missouri qui mourit à Haïti là. Ça veut dire ça, qui est capable, peut-être, quand même, qui a servi comme un petit point, dans le désavantage de Biden dans l'élection Calvin, là, États-Unis. Qui donc, je dis, hein, les que nous regardons, les que nous analysons, les que nous questionnons ensemble de ça, yo, moi, t'as dit que, est-ce que c'est ça pour t'arriver,
pour que l'autorité américaine comprenne que maintenant qui situation que nous y est. Et m'a toujours dit, c'est pas vos émissions en Haïti avec solution. Parce que nous avons 20 000 missions, nous avons 30 000 soldats, 50 000 soldats, 1 million de soldats à Haïti, de différents pays. Mais depuis que, question ZAM qui a sorti États-Unis, ZAM qui a transité Saint-Domingue pour entrer à Haïti, depuis nous pas bloqué Van Sayo, c'est comme s'il avait mis essuyé à terre. N'a pas tué nek sa yo. Après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 25 ans, n'a pas revivre une situation de sécurité pi mal que ça. Parce que ça n'a pas vivre là. Nous te vivre en 2004, même là ça pi mal que ça. Mais c'est après 20 ans que nous venons à vivre ça, n'a pas vivre là dans la dimension ça. Est-ce que nous allons prendre 20 ans encore pour nous vivre, pour nous revivre ça? Est-ce que nous allons prendre 5 ans? Est-ce que nous allons prendre 10 ans? Je ne sais pas. Mais moi-même, ça me toujours dit. Moi, pour éradication, il faut éradiquer. Il faut éliminer l'insécurité. Éliminer net. Je ne dis pas que c'est un cas de criminalité, un cas d'isolement, non. Mais cette histoire, nous avons couru dans la zone, nous avons touillé, nous avons mis des faits, nous avons violé, nous n'avons pas marché, nous n'avons pas circulé, nous n'avons pas investi. Diaspora va rentrer à Haïti. Il faut que ça suspende. Il faut que ça suspende. Parce que je dis, hein, et pas seulement moun Haïti qui prend pression, yo, et pas seulement moun qui Haïti physiquement qui prend pression, yo, mais moun qui dans la diaspora tout, qui pas dans financer vos examens en Haïti, y a prend de gros pression là tout, et y a prend de gros stress parce que y a toujours veillé téléphone, yo, y a toujours veillé un appel, y a toujours gardé réseau, hein, pour est-ce que y a pas le dit qu'on moun qui mourit, est-ce que moun ça pas fait mieux que lié? Et y a dit tout, est-ce que qu'on moun kidnappé, est-ce que moun ça pas fait mieux, pour pas voler l'argent américain? Tout ça, yo, c'est de pression, c'est de stress que exécute un Haïtien. Mettez Haïtien qui en Haïti et mettez Haïtien qui en diaspora. On monte comme Marie Jasmin, Marie Nosifor, Jenny Baptiste, Elinor TV, tout ensemble de moun sa, en pile là, que m'konnen, qui c'est de moun qui va en Haïti. Et tant de l'autre moun encore, qui amis qui bouquent tout côté là. Ça veut dire c'est de moun qui besoin que, et c'est que dans le résoudre, et qui besoin que, yon même tout comme Haïtien, que yon capable de retourner la caillou. Et permettre que yo gère question insécurité hein, et permettre que yo ka al investi parce que deux ressortis américains sa yo, yo c'est des missionnaires qui te gen orphelin en Haïti et qui te décidé à aider ensemble si moun. Peut-être si moun la yo te prend, peut-être si moun que pa pas capable occuper yo, yo t'a aidé, yo t'a fait social. Ba va gars, réfugié tout simplement. Non, il y a l'autre pays, soit qui est toujours en Amérique là, ou bien qui en Europe. Qui ça nous fait? Et ensemble des pays ça yo, qui crée des espaces pour recevoir migrants yo, est-ce que yo pas font calcul préalable sous revenu économique que yo cap fait avec turbulence qui gagne dans pays qui bouleversé yo, avec monde cap déplacé qui pour venir yo, que c'est avec cob qui a soutien dans pays a, yo garder. Et dès le commencement, au début, il y aurait qu'on ait combien de qui au café, parce que la majorité de ça, qui a quitté le pays, il y a quitté avec 1 000, 2 000, 3 000 dollars américains. Ça, il peut aller investir, il peut aller dépenser dans l'économie pays côté aléa. OK? Et les gens qui peuvent continuer de travailler, avec l'instabilité qui est la caille, il n'y a pas d'opportunité pour venir investir. Si vous avez une opportunité pour venir investir, vous avez le faire, c'est ce qu'on appelle développement richesse. Qui t'a pris le rendre ou pas que l'autre monde vienne chance pour rejoindre un petit travail. À partir de travail, ça, déséquilibre social qui vient là, je dis, qui permet la majorité de jeunes garçons, jeunes femmes, en d'un pays d'Haïti, puis une option qui est au tête, c'est soit aller dans un gang. Aller dans un gang, vous faites ça, pour vous mettre bel tennis, pour vous gagner une petite machine, et pour vous gagner l'argent pour vous exhiber sur plateforme réseau social. Moi, je t'ai bien aimé qu'on est. M'ta bien, mais yon zami internet kap gade kap tande la. Dim ki kote nan monde la ki pa gen problème insécurité. Mais ça, on est dans le pays d'Haïti, hein, li incomparable avec tout l'autre côté que nous ta ka di ki existe à travers monde la ki gen insécurité. Ça kap passe à la, li plus que yon guérilla. Qui j'en capable résoudre li? Est-ce que modèle moun ki a proposé, ki pou vin avec résolution sa yon la, yon kap vin résoudre tout bon vrai, parce que yon même yon fait partie, assemblage de problèmes que nous gen la, je veux dire. Côté niveau conscience, chaque grand monde cap touché dans l'État
qui peut permettre que ça, sans eux, qui pas jamais décidé de faire. Suite avec la crise qui vient là, yo, ouais, on coupe étrangère qui vient là, qui vient investir, et dans ça qui est lié avec la question orphelinat ou vinfait social. Yo perdu la vie yo parce que yo vinn aider. Combien de monde orphelinat ça gagne? Qui prise en charge que l'État haïtien déjà envisagé pour appliquer ou bien pour prendre dans l'intérêt de monde pour empêcher yo pas joindre l'ambo sans jour. Yo pas joindre barbecue, yo pas joindre Jeff Canaran. Pour yo parler dans plein pour yo parler chez méchant. Combien monde qui à travers pays ya, qui pratiquement a investi dans ça qui relè orphelinat. Tout à l'heure, vous font parenthèse. Sous Fredrickson, zone pas fait moun. Mais, vous pas qu'être l'autre moun, en d'un pays, y'a qu'à faire même travail avec Fredrickson, qui peut-être pas fait, qui pas fait même quantité bruit, n'était-ce pas ça, la situation, pas qu'un moun qui connaît qui côté n'ta pied. Avec, moun, petit moun qui n'a la rue, en pile fois, qui aurait les cocorature. Parce que, recrutement massif, adolescent, que chef gang a fait, dans le niveau ghetto, qui côté ou 20 moun sorti dans la rue, avec eux, oui. Mais pour n'y a tout, il mérite qu'il réfléchisse. Qui sa cause, on papa, entendre avec un maman ou bien on fille avec un garçon, entendre yo pour bailler naissance avec un petit monde, pendant yo pas préparé pour te supporter petit monde. L'en a repensé l'autre Haïti, l'en a fait l'autre Haïti avec cette personne, nous besoin penser à ça. Nous besoin de débarrasser lui, depuis l'hôpital, et c'est garder mon yo. Et c'est garder mon yo qui vient pour la première fois vient faire prise en charge de grossesse que vous gagnez et pour nous chercher les données pour nous connaître dans pourcentage que l'État cap investi pour accompagner parents avec timoun nan et qui ça parent gagne qui disponible pour accompagner timoun yo pour ça ou t'as besoin un groupe timoun qui fait dans mitan société qui sensible pour réputation familiale qui sensible pour nationalité d'être haïtien son paquet de bagaille. On gen haïtien vont paquet de bagay. Haïtien bataille pour l'indépendance. Haïtien bataille contre l'esclavage à travers le monde. Ça réduit paquet de bagay. Colon yo, yo pa jam pardonnen pour ça. Parce que nous mettez yo en retard. C'est pas sans raison qui permet la République dominicaine pratiquement à développer une haine à l'encontre des pays d'Haïti. Parce que chaque fois vous regardez, yo tendez que pays d'Haïti te baro bourad pendant plus que 25 l'année. Et yon gade nan ki état Haïti, yon pose tete yon question. Est-ce que c'est pas parce que Haïti te mette men en pat pou te baro bourad ki ren ke yon tarde kon sa? Y a fait nous payer pour ça. Là nous vivons, yon comprenne ça. Qui sa nous décide de faire? Est-ce que nous continuons à faire tchoul? Est-ce que nous continuons à être dans le processus ou bien dans l'initiative Kion? Est-ce que nous toujours été bien rapport mettre avec l'esclave? Nan effondre pays a nan rend la ville vin pi difficile et même moun ki n'a servi jodi a c'est yo même qui pral avelin pita parce que c'est yo même qui pral sanctionner qui pral dire c'est volé nous t'en créer gang dans pays a OK qui l'a privé prendre conscience qui l'a paraît devant miroir pour nous garder visage nous l'on rive devant miroir ou un visage chargé graisse c'est pas miroir pour graisser parce que miroir reflète ça jeune là c'est image que miroir reflète. Sous tes sénateurs, ou tes députés, ou tes magistrats, ou tes présidents, ou tes premiers ministres, ou bien tes ministres, ou pas innocent dans ce qui a passé dans le pays, qui ça a été fait pour ne pas arriver là? Et ça qui a dessiné là, qui ça a entendu faire pour dire non avec M. Damio, qui est notre conseil présidentiel là, malheureusement, chaque fois qu'il a parlé, nous sommes obligés de parler de bagages qui louent en pile pour parler du conseil présidentiel pendant que nous avons parlé des présidents. Le président de la République. OK? Il a pratiquement fait le tourner. Il a chambre de bordel. Quand il a fait les suivants, qui est-ce qui était là avant rentrer? C'est ça qu'il a fait là. Parce qu'il a parlé des présidents tournantes. Même pour arriver à choisir le premier ministre, ou senti que Nations Unies, département d'État, le Pentagone, département de défense des États-Unis, il a joué fort à l'âge qui a permis que c'est eux-mêmes qui bénéficient. Et primature. Ouais, songez la primature, c'est le même qui peut gagner tout pouvoir, acte délégation pouvoir, pour prendre les décisions clés au nom de la République. Il y a du pas qu'attendre. Mais qui est-ce qui permet que les positions s'entendent? Mais c'est eux-mêmes qui ont fait le temps passé.
dans l'idée pour rendre que ou vinn résilient parce que yo rend peuple résilient yo rend ko bouquet avec situation ko gagne et puis n'importe ça vous proposer beaucoup prendre donc vous autres gardez deux personnes parenthèse Daniel Foot qui passait en dedans pays comme et ambassadeur pays les États-Unis mais si c'est n'a retourné si n'a fait retour dans les passés pour n'a regarder Daniel Foot est-ce qu'il était bon passé comme ambassadeur dans pays d'Haïti qui ça qu'il a fait pour je dire pour la vice donc regarder et ensemble des missions qui viennent et c'est 25 30 40 000 qui te convenu à parler de une mission avec 2500 soldats il pas effectif il pas bas résultat ou t'es clair parfois qu'on a quantité résultat loin pour le vini. OK et avec une petite minorité une petite crasse que vous gagnez qui bien formé qui équipé qui bien volonté qui pas venir faire mascarade li ba résultat. L'autre bagay ki nou konnen, mission sa son mission non onisienne. Et l'autre bagay ki ta dwe jouer en faveur pays d'Haïti dans ça parce que yo rend que c'est yon pays d'Afrique, yon pays noir. Côté yo di haïtien souche de origine yo. Kap vin la pou vin ba an coup de main. C'est à coup c'était au Kenya te gen problème. Haïti te gen capacité le débarquer pour la pour moi pour la bail service mais gen politique qui a fait dans bagaille Kenya là bless personne pendant rivé président William Ruto aux États-Unis ou après gen une bataille entre les États-Unis et la grande Chine qui pratiquement a développé là parce que songez l'Afrique yo regarde vers la Chine. OK yo regarde vers la Chine administration Biden non qui a joué en intelligent. N'attendez que vous parlez de yon affaire de 16 hélicoptères. Plus passer 250 véhicules blindés qui a bail avec Kenya. Mais tout ça yo, c'est pas dans quatre missions non, blessé personne. Vous voulez que chaque grand monde cap garder cap tendez comprendre ça. C'est juste pour mener combat dans intérêt yo, pour yon râler, pour yon chercher yon intention, OK? Pour chercher l'opinion, pour brancher l'opinion sur yo, parce que pas les batailles diplomatiques là pas en jouet. Li pa on jouet, surtout les États-Unis qui a effondré, qui a perdu là, sur le plan économique, qui a bataille, qui prend gros frappe, qui a cherché l'autre appui. C'est pas sans raison qui fait ça. Mais nous-mêmes, comme James Monroe te déclaré Amérique aux Américains, l'on te dit ça, je te connais qui ça t'a dit. Et sans doute, si nous allons chercher, nous t'adore, c'est pour Haïti même qui est utile. C'est Haïti pas pays dans l'Amérique, ou bien tant que j'ai regardé, il pas petit pays parce que c'est comme ça ouais, Haïti comme petit pays qui est plus riche non. Mais Haïti il y a un ensemble de valeurs, il y a un ensemble de potentialités que les autorités américaines, canadiennes, françaises pas d'accord perdu blessé personne. Il y a des becs et des ongles pour y a toujours gain de monde qui là qui représente et des monde qui puissant même que on t'a fini disparaître sur scène non. Il y a réalé encore. Si n'a regardé ancien sénateur Yuri Latortu, si n'a regardé ancien sénateur et Joseph Lambert, animal politique là. Si n'a regardé Michel Joseph Matéli, c'est pas les haïtiens qui disparaissent moun sa yo. Parce que c'est pas haïtiens qui mettent sanctions qui se do moun sa yo. C'est pas haïtiens qui dit que moun sa yo nan création gang en dan pays. C'est pas haïtiens qui dit moun sa yo nan distribution zam en dan pays. Ce sont des experts Nations Unies. Qui entendent qui dit ça. Mais, ou pas, ouais, avec créé présidentiel, là, on ensemble de monde, ça y est, qui t'est plongé au profond silence, qui t'a regardé des marches auprès de la justice, pour t'a regardé, analysé dossier, yo, pour qu'on ait est-ce que vous coupable ou bien est-ce que vous innocent, mais non, c'est pas ça qui fait, ou plus, soit que moun yo, y a cherché pour yo régénérer tête, yo. Reprenser, non, n'en faire des propositions, n'en montrer que vous avez résolu le problème, non, pendant yo dit, vous fait partie du problème. Comme, ancien sénateur Yuri Latortu. Tu tout le temps un plan de sécurité. Pas de journée et qui normalement se passe à Blaise Pierson. Journée ça te marqué très difficile dans Port-au-Prince. Li permet que monte avec le danger, li permet que monte réfléchir par rapport avec ça qui passait dans l'ison. Parce que moun yo wè mais dans ça li pendé sous tête yo net fois ça, yo pas épargné tout bon. Parce que si blanc américain pas épargné et c'est des monde qui viennent aider dans le canton, OK, qui perdent la vie comme ça et c'est là qui pas gagner même et c'est là pas gagner
Bon, comment ce sénateur Yuri Latortue, il était prend la parole. Journée vendredi qui est 24 mai pour montrer un des problèmes qui gèl ka résoudre, oui, ka résoudre. Si tout le monde qui dans création yo d'accord, yo prend conscience, ça qui gèl c'est eux même qui créé le. Yo fait des propositions et propositions c'est pas des propositions biaisées, mais c'est personne garantie yo problème qui gèl là 72 heures prêt pour résoudre problème là. Mais faut ancien sénateur, ancien député, ancien magistrat, ancien président, ancien ministre, ancien directeur général, yo Antonio qui a dit yo fait payer à du temps, zam qui ont été distribué, il a cherché moyen pour capable récupérer ou rentrer pour permettre que petit peuple avancer avec activité le bête son. On regarde un café mon notaire sénateur, ancien sénateur Yuri Latortue dans intervention concernant plan de sécurité, il pas jamais si son parler bien que yo toujours ouais que son monnaie qui pas innocent dans question sécurité pays. Je dis à, dans quelle situation nous retrouvons là, Omanes? Nous retrouvons dans la même situation. Côté cette fois-ci, il est beaucoup plus grave. Que situation sécuritaire là, il n'est pas sorti de un président qui est allé et qui a gagné des émeutes dans la rue, il est sorti de des gangs qui ont valé territoire, qui presque occupé zone métropolitaine à 80% et qui occupé deux départements de cadres stratégiques, côté que ils ont continué à craser Mgadou, les immeubles des institutions de sécurité publique, par exemple de la police, et a avancé. Et où on force internationale, eh bien, qui a venu cette fois-ci, important, non onusienne. On différencie. C'est peut-être ça, tout à l'heure, nous pourrons parler de cadre légal là. Parce que force qui a venu là, il va les bérets blancs, les bérets rouges, il n'y a pas force Nations Unies qui a venu là, non. Son force non onusienne qui est avant Nations Unies, mais son force internationale. Donc, à la veille de situation ça, moi penser l'État haïtien a une réflexion profonde pour le faire. Quelle est la réflexion profonde? Un, comment pour nous attaquer le problème directement de terroristes, de bandits qui posent là? Comment pour nous résoudre li? C'est le plan d'urgence. Et comment, pendant force ça là, pour nous tout résoudre problème force publique haïtienne? C'est ça qui est extrêmement important. C'est peut-être ça l'homme a parlé de plan. Il y a deux plans. Il y a le plan opérationnel, il y a le plan de réforme de la force publique. Et je dis, il est extrêmement important pour nous garder l'erreur que nous avons fait. L'erreur l'État a été fait en 1994. L'erreur qui a été faite en 2006. L'erreur qui a été faite le ministre Tabrali. L'erreur, ça, c'est que l'État a quitté international la jouer leadership là et lui-même n'a pas mis un plan. Alors que, moi, je crois que l'international, là, il vient pour l'aider. Et s'il vient pour aider, faut que, Haïtien ait capacité de parler avec elle pour dire, mes côtés pour aider. Moi, toujours répéter ça, Romanes. L'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Si y a une aide là, c'est pour nous sortir d'une situation que nous n'avons pas besoin encore. Donc, si je dis à l'international, là, il est disposé. Il a dépensé 200 millions, 300 millions, 400 millions pour venir aider. Eh bien, moi, pense qu'on a volonté. Mais qu'on y a volonté à doit arrêter beaucoup d'Haïtiens. Mais si Haïtiens pas comprendre que qu'on consensus, je dis à tout le monde doit la donner, pour autant de tout le monde, pour y'a prendre les mesures qu'il faut, pour que leur force la vini, qu'on réception qui vini, qu'on opération qui fait, qu'on réforme qui fait, nous allons recommencer de ça dans 10 ans encore. Donc, c'est ça faut me faire mise en contexte ça ou malaise moi voulais justement motiver mon yo sur comment pour aborder question. C'est pas une question de ce que on monde vini li dit on font petit plan pour 3 mois là on résout problème là et puis nous va connaître ça qui passer. C'est la préparation macro maintenant de la réception de cette force dans un cadre opérationnel avec le plan d'urgence et dans un cadre de réforme avec le plan de réforme. Dans quelle situation nous retrouvons là, Omanes? Nous retrouvons dans la même situation. Côté cette fois-ci, il est beaucoup plus grave. Que situation sécuritaire là, il n'est pas sorti de un président qui est allé et qui a gagné des émeutes dans la rue, il est sorti de des gangs qui a valé territoire, qui presque occupé zone métropolitaine à 80% et qui occupé deux départements de cadres stratégiques, côté que ils ont continué à craser Mgadou, les immeubles des institutions de sécurité publique, par exemple de la police, et a avancé. Et où on force internationale, eh bien, qui a venu cette fois-ci, important, non onusienne. On différencie.
C'est peut-être ça, tout à l'heure, nous pourrons parler du cadre légal là. Parce que force qui vient là, il n'y a pas les bérets blancs, les bérets rouges, il n'y a pas force Nations Unies qui vient là, non? Ce sont forces non onusiennes qui viennent avant les Nations Unies, mais sont forces internationales. Donc, à la veille de situation ça, moi pensé l'État haïtien a une réflexion profonde pour le faire. Quelle est la réflexion profonde? Un, comment pour nous attaquer le problème directement de terroristes, de bandits qui posaient là, comment pour nous résoudre, c'est le plan d'urgence, et comment, pendant force ça là, pour nous tout résoudre le problème force publique haïtienne. C'est ça qui est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons parlé de plan, il y a deux plans. Il y a le plan opérationnel, il y a le plan de réforme de la force publique. Et je dis, il est extrêmement important pour nous garder l'erreur que nous avons fait. L'erreur l'État a été fait en 94, erreur qui était faite en 2006, erreur qui était faite le ministère Tabrali. Erreur ça y est, c'est que l'État a quitté international la jouer leadership là et lui-même n'a pas mis un plan. Alors que moi crois que international là il vini pour l'aider. Et s'il vini pour aider, faut que haïtien ait capacité de parler avec elle pour lui dire mes côtés pour aider. Mais toujours répéter ça, Romanes. Radio. L'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Mm-hmm. Si y a pas nos aides là, c'est pour nous sortir d'une situation que nous pas besoin encore. Mm-hmm. Donc, si je dis à l'international là, les disposer, il y a dépensé 200 millions, 300 millions, 400 millions pour venir aider, eh bien, moi, pensez bonne volonté. Mais qu'on y a volonté à doit arrêter beaucoup d'haïtiens. Mais si haïtiens pas comprendre que qu'on consensus, je dis à tout le monde d'où est la donne, pour autant de tout le monde, pour y prendre les mesures qu'il faut, pour que leur force la vini, gon réception qui vini, gon opération qui fait, gon réforme qui fait, nous allons recommencer de ça dans 10 ans encore. Mm-hmm. Donc, c'est ça faut me faire mise en contexte à Oumanes. Moi, je voulais justement motiver Mounio sur comment pour y aborder des questions. C'est pas une question de ce que on moun vini. Il dit, on fait un petit plan pour 3 mois là, on résout le problème là, et puis nous allons connaître ce qui va passer. C'est la préparation macro, maintenant, de la réception de cette force dans un cadre opérationnel avec le plan d'urgence et dans un cadre de réforme avec le plan de réforme. Les autres de Yuri, et en un mot, on va ajouter un bagage, on va essayer de comprendre, essayer de regarder ça le dit en profondeur. Un, deux. Sénateur Yuri, comme ancien militaire, de son état qui pratiquement cap expliquer les plans bon côté mauvais côté chaque étape que y a bien pour franchir. Pensez avec planification, établissement, sécurité de la nation, les sont bagages qui beaucoup pillage que ça n'a vivre là, que ça n'a gardé et dans l'émotion n'a imaginé avec résoudre insécurité que nek exam de terrorisme banditisme qui vient de dans pays. Mais qu'on y a qui gens ensemble monde va arriver comprendre yon nek qui dit c'est juge et puis c'est parti à la fois.